avec moi de faire des vidéos en caméra subjective. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Kendra, on va aller coucher en pagne, ça dit ça. Et nous l'avons vraiment fait quelques années plus tard. Bonjour Martin, prêt pour le voyage? Oui, prêt, et ça va être un beau voyage. Après quelques heures de route, nous sommes arrivés à Épernay en Champagne pour aller visiter une cave et pour aller voir comment on faisait le champagne. Et après la visite, nous avons profité du camping-car et nous avons mangé. Le GPS est prêt pour rentrer. Voilà. 244 km, 2h55 minutes. Et alors ici, pour tout. Et si tu veux que je prenne le volant, ça va. C'est un petit peu, Guy, il n'y a pas. Pour l'instant, c'est. J'allais te dire profite. Cet itinéraire évite des fermetures de route sur rue de la Blanche, borne à Charleroi. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 17h20. Dernière fois le beau paysage. Ouais, des vignes. Continuez sur des 222 pendant 2 km. Je vous mettrai des photos dans le montage. Nous revoici à Bourceau. À Bourceau. Très bien ce camping-car, vraiment très très bien. Ouf. Camion, ça va pas faire ça. Si, est-ce qu'on va savoir passer? Oui. C'est bon. Et voir les vignes, comment on fait le champagne. Dans 400 mètres, prendre à droite sur D3. Prendre à gauche sur D22. D'ailleurs, on a consommé combien pour l'aller? Sur des 22 pendant 1 km. 11 litres 6 au centre. Voilà, on passe sur la Marne. J'ai beaucoup aimé ce petit village avec les maisons typiques d'ici. Il faut quand même le faire, rouler dans les petites routes comme ça avec un gros camping-car comme on a là. Ça va, il faut faire attention. Il faut pas être pressé, Martin, c'est tout. C'est sur la gauche, Martin, toutes les vignes. Les vignes. Thank you.
là, vous aurez vu un peu des vendanges en campagne champenoise. Regardez, là encore, ici tout ça, ce sont des voitures pour les vendanges. Ici, sur la gauche, tu vois le tracteur avec tous les bacs qui sont remplis de raisins. Ouais. Voilà en haut encore toutes les camionnettes et on voit les vendangeurs dans les champs, dans les vignes, pardon. Dans les... C'est là, à droite aussi. Ouais. Là, à droite aussi. La droite aussi. Conduit. Hop. C'était juste. Regarde Martin, voilà. Tout ça, ce sont des gens qui sont là pour la cueillette. Ouais. Et tu vois, ils viennent de Pologne, hein. Le bus polonais, hein, ici. Ouais. Oui. Tu filmes là, Martin? Ouais. Elle est chouette. C'est un travail dur, hein. Ouais. Enfin, moi c'est le genre de choses que je ne saurais pas faire. Après 5 minutes, j'ai mal au dos en faisant ça. Oui, oui. Vous la mettrez
après cette vidéo. Là, on voit un Spartan au loin devant nous. On va se rase. Pour rentrer en Brabant wallon. Dans les cartes, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand, plus... Oui. Oui. Et moi, je m'attendais à un truc un tout petit peu plus froid. Et plus froid aussi. Et plus froid aussi. En vacances. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur voie de la Liberté. Au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue de Champagne, D951. Voilà. C'est bon. Sauf erreur, nous pouvons y aller. Bien, maître. Non, parce qu'il y a un cinglé qui arrive ici, à tout Berlin. Oui. Je vois que la porte de la rue Saint-Martin s'est ouverte. Dernier tour de roue.
avant d'arriver. Combien de kilomètres il nous reste? Alors, on a déjà fait 503 kilomètres et il en reste encore 16 à faire. La sonorisation n'est pas vraie. Bonne. Enfin plus calme. Oui, ça fait du bien. Fiat, c'est du bon. Ça, je peux vous le dire. Je l'ai testé pendant toute une journée et je peux vous dire que c'est du bon. Que je vais bien dormir ce soir. Vous voyez, ça peut se fermer ici, se fermer là aussi, et se fermer là au-dessus pour dormir, hein, évidemment. Regarde qui est déjà là. Regarde qui est déjà là. Alors, Martin, on a fait 520 km avec une consommation moyenne de 11 litres 6 au 100. Ouais. La vitesse moyenne de 76 km/h. Et on a fait une poêle plat. Et la durée du voyage, 6h49. Voilà. Et on éteint le moteur. Voilà. Fin de l'aventure. Champagnesque. Et ben voilà, fin du périple. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Bientôt pour une prochaine vidéo.